Chers amis, frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous accueillir dans cette cathédrale au nom de la communauté des églises chrétiennes dans le canton de Vaud. Cette communauté, fondée en 2003, rassemble la majorité des églises chrétiennes dans notre canton, et si vous voulez en connaître la composition, vous la trouverez à la page 17 de votre livret. Je rappelle simplement qu'il s'agit des églises protestantes, catholiques, orthodoxes, évangéliques, et j'en passe. Mais ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que nous avons reconnu que le chemin vers la maison du Père se nomme Jésus-Christ. Et nous voulons célébrer ce chemin d'une seule voix au cœur de nos diversités. Je vous invite à vous lever. Իմաստություն, Հոր Հիսուս, տուր մեզ իմաստություն, ըստ բարիս խորել, խոսել և գործել, առաջիքո ամենայն ժամ, իչար խորհրդոց, ի բանից և ի գործոց, փրկիաս մեզ, և ողորմյա քո արարածոց, և ըստ մեզ բազմամեղացս, ամեն. Donc cette célébration, chers amis, est vraiment le point d'orgue d'un colloque que nous vivons depuis jeudi soir. Et pourquoi ce colloque? Eh bien, ce colloque nous a été inspiré par l'amitié que nous portons au peuple arménien, mais aussi au peuple syriaque. Une amitié qui est particulièrement soulignée à l'occasion de cette date dramatique de l'an 2015 qui rappelle le génocide que ces peuples ont connu depuis le 24 avril 1915. Toute cette diversité, chers amis, témoigne de la grande richesse de l'Église de Jésus-Christ auquel nous avons la vocation de travailler à son unité. Et c'est là la perspective de tous nos engagements. Ainsi, le vivre ensemble a été le fil rouge de l'ensemble de notre colloque. Le vivre ensemble est le fil rouge de notre célébration. Et il restera longtemps après cette célébration le fil rouge de tout notre engagement. Je vous remercie. Dieu, l'Éternel est roi. Il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône. Il jugera la terre. Dieu éternel est roi. Il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, leur refuge au temps des grandes détresses, son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui et toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père, et au Saint-Esprit, et au Père, et au Saint-Esprit. Alléluia.
En vue de préparer mon intervention pour le colloque de vivre ensemble avant que je vienne à Beyrouth, au Liban, j'avais lu un gros livre écrit au chaud pendant le génocide de 1915 en Turquie à Mardin par un témoignage, ou plutôt par un témoin oculaire. Et les calamités dont il parle, les milliers de gens tués, qu'on cherchait dans leur propre maison, qu'on traînait dans le désert, qu'on tuait avec les fusils ou avec l'épée, et dont les corps étaient jetés dans des puits ou dans le fleuve. Mais vraiment, ça nous remplit de tristesse et peut-être parfois d'une certaine rage, je dirais. Et on conclut, c'est de l'histoire. Et nous revoilà replongés dans une situation analogue ou presque au nord de l'Irak. Il y a 15 jours, un prêtre syro-catholique de Qaryatayn en Syrie a été enlevé. Aucune nouvelle jusqu'à maintenant. Il y a 3 ans, son supérieur, le père Paolo Dall'Olio, un jésuite italien qui avait consacré sa vie à restaurer la vie monastique dans une petite communauté mixte où il y avait des catholiques, des orthodoxes, et qui se consacrait pour accueillir ce dialogue abrahamique, a été enlevé, aucune nouvelle de lui jusqu'à aujourd'hui. Et quelques semaines avant lui, 2 évêques d'Alep, syriaque catholique et syriaque orthodoxe et grec orthodoxe, étaient enlevés et jusqu'à aujourd'hui, aucune nouvelle. Et d'autres prêtres qui étaient enlevés ou tués comme si de rien n'était. De même, depuis 2004 en Irak jusqu'à 2010, 7 prêtres avec un évêque ont été enlevés et tués. L'un d'eux a été même égorgé. Moi, je n'avais eu de sort que d'être enlevé, et le premier en 2005, le bon Dieu avait d'autres plans sur moi, j'ai été sauvé de justesse par la prière de milliers de gens qui priaient pour moi. J'avais l'impression que toute l'église priait pour moi comme Saint-Pierre, et l'appel du Saint-Pape Jean-Paul II, j'ai été sauvé. Et nous avons l'habitude de dire que notre église chaldéenne, syriaque, arménienne, orientale, donc, sont des églises martyrs. C'est beau comme expression, mais c'est dur comme réalité. Nous sommes le 7-8 juin, il y a juste un an, la ville de Mossoul a été vidée de tous ses chrétiens par ce qu'on appelle Daesh, l'État islamique. Vous passez à l'islam, ou vous payez la jizya, ou vous quittez la ville, sinon vous êtes tué. Et tous les chrétiens ont quitté la ville, sans exception, en important avec eux que ce qu'ils avaient sur eux-mêmes. Et cela aussi a été dépouillé lors des checkpoints. Et 2 mois après, le 7 août 2014,
13 villes ou les 13 villes chrétiennes de la plaine de Ninive, dont mon village ou ma ville natale, Karakosh, avec 50 000 habitants, tous ont quitté sous la pression des canons de Daesh et surtout la menace qu'ils avaient entendue quand Daesh avait conquis ou mis la main sur la ville de Sinjar avec le meurtre, l'assassinat de milliers d'hommes et de femmes et de jeunes filles violées, vendues au marché. Les chrétiens de la plaine de Ninive avaient peur d'avoir le même sort et ils ont tous quitté leur ville, leur champ, leurs maisons, leurs églises, leurs institutions, tout ce qu'ils avaient comme avoir pour sauvegarder leur foi et leur sécurité. Et se sont alors dirigés vers le Kurdistan irakien où encore deux bons tiers de 100 à 120 000 chrétiens sont réfugiés. Certains sont arrivés au Liban, en Jordanie, en Turquie, pour pouvoir gagner l'étranger. Nous savons tous que ce n'est pas la meilleure solution, mais voilà, les gens sont acculés à choisir le pire pour sauvegarder leur vie. Je vous donne ce témoignage pour que vous vous initiez à nous dans la prière et aussi dans l'espérance, car nous ne perdons pas l'espérance de pouvoir rentrer dans nos maisons, dans nos villes, un jour. C'est difficile, il n'y a pas de lueur de libération encore, mais nous gardons cette espérance. Nous sommes soutenus par vos prières, votre compréhension, et même, permettez-moi d'adresser mes remerciements, notre action de grâce à Dieu, et nos remerciements à tous ceux qui ont contribué en peu ou en beaucoup pour soutenir les chrétiens d'Irak, de Syrie, qui sont persécutés actuellement et qui quittent certains au bout des doigts leur pays ancestral. On nous pose la question, si nous sommes originaires, si nous ne sommes pas convertis d'une autre religion, mais non, nous sommes là autochtones avant l'ère islamique de 630 ans. Donc, c'est notre terre et ce n'est pas facile de quitter sa terre historique pour aller à l'inconnu à travers le monde. Alors, merci pour avoir organisé ce colloque, merci pour avoir organisé cette prière commune qui nous met tous au même diapason, à la même vitesse pour joindre nos mains et nos cœurs devant le Seigneur en lui disant « Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ne vous est-il pour rien que nous périssions? Réveillez-vous pour nous sauver. Amen. »
Mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ce colloque dédié au génocide des Arméniens se termine par cette grande célébration œcuménique en la cathédrale de Lausanne. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde de vivre ces moments de célébration. Nous sommes reconnaissants également à la communauté des églises chrétiennes dans le canton de Vaud d'avoir pensé, initié et organisé ces journées de rencontre, de réflexion et de prière. Les organisateurs ont voulu rendre hommage aux descendants de cette histoire tragique et faire mémoire avec eux dans la prière d'un passé douloureux, mais aussi à l'heure des événements actuels du Moyen-Orient, ils ont voulu oser des pistes d'ouverture et d'espoir vers un vivre ensemble possible là-bas et ici. Nous sommes là avant tout pour commémorer le martyre de 1,5 million de chrétiens arméniens et de plusieurs centaines de milliers de chrétiens syriaques, chaldéens, assyriens, grecs pontiques, victimes du génocide perpétré par le gouvernement jeune turc dans le cadre de l'Empire ottoman. Nous rendons hommage à leur foi et à leur abnégation. Je suis très ému d'être là aujourd'hui parmi vous. Mes grands-parents sont des rescapés arméniens du génocide de 1915. Ils étaient originaires de la Cilicie, l'ancien royaume arménien, la patrie de Saul de Tarse, l'apôtre Paul. Arrivés en France en 1925, mes grands-parents sont restés en général discrets sur ce qu'ils avaient vécu. Ils ont reconstruit courageusement leur vie, mais il y avait toujours en eux une certaine tristesse et une nostalgie du pays. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour la survie de notre nation, même si nous n'avons pas forcément d'explication à la souffrance et aux problèmes du mal. Nous avons appris que notre foi ne nous épargne pas du mal et de la souffrance, mais qu'elle nous donne la force dans toutes les circonstances de la vie. Notre reconnaissance va aussi à toutes les nations, aux institutions humanitaires et religieuses pour leur aide et leur soutien dans notre détresse. Quand je dis « nous », vous comprenez que ce ne sont pas que les Arméniens. Nous avons nos frères assyro-chaldéens, chaldéens, syriaques et nos frères grecs. La Suisse, au travers de ses autorités, de sa population et de ses églises, a été d'un grand secours aux Arméniens survivants. En cette année du centenaire, les commémorations ont revêtu un caractère international en Arménie comme en diaspora. Les interventions du pape François, les prises de position du Conseil œcuménique des Églises, les déclarations de plusieurs chefs d'État ou instances internationales ont été remarquées. En ce qui me concerne, j'étais à Istanbul le 24 avril 2015, où les commémorations du génocide des Arméniens sont organisées et autorisées depuis 2010, ce qui était impensable auparavant. Une messe du souvenir a eu lieu à l'église apostolique du patriarcat arménien d'Istanbul. C'était, imaginez-vous, la première célébration officielle depuis 100 ans. D'autre part, un grand rassemblement de plusieurs milliers de personnes était organisé à Istanbul, place Taksim, par des organisations de défense des droits de l'homme en Turquie. Une grande part de la population turque était présente dans ces manifestations. Quand je dis une grande partie, les participants en général à cette manifestation étaient pour la plupart des Turcs. Une grande émotion se dégageait au travers des chants et de la musique liturgique. Recueillement devant des bougies installées à même le sol avec le mot « génocide » écrit en trois langues, en turc, en arménien et en anglais. C'est ainsi que depuis plusieurs années, les sociétés civiles turques et arméniennes se côtoient, ce qui m'a permis aussi,
de rencontrer de nombreux intellectuels turcs ouverts au dialogue et qui assument l'histoire de leur pays. Un homme a joué un grand rôle pour briser le tabou sur le génocide. C'est le journaliste arménien de citoyenneté turque Hrant Dink, assassiné le 19 janvier 2007 à Istanbul devant la rédaction de son journal Agos, dont il était le rédacteur en chef. J'avais rencontré pour la première fois Hrant Dink et son épouse Raquel en 1980 en Turquie durant l'été, où nous les avions aidés à organiser un centre de vacances pour enfants à Tuzla. Depuis ce temps-là, Hrant Dink avait parcouru beaucoup de chemins. Hrant avait compris qu'il fallait que Turcs et Arméniens se parlent cœur à cœur. Il disait la vérité à ses interlocuteurs turcs, mais il le disait avec tact et respect. Il rêvait d'une Turquie fraternelle. Nous sommes dans le vivre ensemble, n'est-ce pas? D'une Turquie fraternelle où tous peuvent vivre en bonne intelligence. Turcs, Kurdes, Arméniens, Grecs, Juifs, Alevis, Assyro-Chaldéens, Syriaques. Hrant savait pertinemment qu'il y avait eu d'un côté les bourreaux et de l'autre côté les victimes, et qu'on ne pouvait pas, sous prétexte de rapprochement ou de réconciliation, mettre bourreaux et victimes sur le même plan. Il savait aussi qu'il fallait avancer tout de même. Hrant menait son combat pour le rapprochement des différentes composantes de la nation turque, dans l'espoir de favoriser justement ce vivre ensemble, si important partout dans le monde, en Orient, mais aussi en Occident, chez nous, ici. Hrant Dink savait aussi qu'en 1915, un certain nombre de Turcs et de Kurdes avaient sauvé des Arméniens de la mort. Ces justes Turcs sont là pour nous rappeler que l'être humain est capable du pire, mais aussi du meilleur. Hrant Dink aurait été peut-être étonné de voir qu'en ce moment, 100 ans après, dans les mêmes déserts de Syrie et de Mésopotamie, des innocents sont sauvagement tués ou déportés. Si l'histoire se répète avec son lot de cris, de larmes et de malheurs, alors quelle espérance pour aujourd'hui? Dans le texte de l'Évangile selon saint Jean que nous avons lu, le Seigneur Jésus déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Nous ne pouvons pas toujours demeurer dans les ténèbres. Nous avons besoin de sortir de l'ombre, de respirer, de penser et de nous épanouir. Nous ne sommes pas condamnés à souffrir, à pleurer et à désespérer. Un chemin nouveau est tracé devant nous. Le Christ nous a précédés sur ce chemin. Nous pouvons discerner même un avenir lumineux. Les obstacles seront nombreux sur la route, mais nous avons l'assurance d'être conduits. Le Seigneur Jésus a vécu notre vie. Il s'est intéressé à nous. Il s'est intéressé à l'homme, à la femme, au jeune homme, à la veuve, à celui qui était opprimé. Sa vie a été remplie d'intérêt et d'affection pour l'être humain. Ayant donné sa vie sur la croix pour le pardon de nos péchés, le Christ a ouvert la porte de l'espérance. Et c'est dans la lumière du ressuscité que nous pouvons espérer. C'est là que le vivre ensemble devient possible. Nous sommes si différents et pourtant si semblables. Il n'y a pas d'être inférieur ou supérieur. Il existe tout simplement des différences de langue, de culture, de religion, de coutumes. Apprenons à nous écouter et à nous enrichir sans forcément obliger l'autre à nous ressembler. C'est dans le respect et dans la confiance que nous pourrons nous rapprocher les uns des autres. Si le Seigneur affirme « Je suis la lumière du monde », il dira par ailleurs à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Nous avons tous une mission d'ouverture et de bienveillance à accomplir et à vivre. Nous le pouvons parce que le Christ est celui qui nous a affranchis, celui qui nous a
réellement donné la liberté, la vraie liberté. Et cette liberté, c'est lorsque l'on s'abandonne au Seigneur Jésus et qu'on le laisse faire route avec nous. Alors tout devient possible parce que nous sommes conduits par un commandement d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Christ est notre exemple. Il nous appelle à nous aimer d'un amour vrai, d'un amour sincère, d'un amour qui donne et qui se donne. Souvent, il ne suffit pas de grand-chose pour être heureux. Il suffit de se sentir aimé, il suffit d'aimer son prochain. Oui, je crois que tout est possible avec lui. Je crois que nous pouvons vivre ensemble. Après nous avoir communiqué cette lumière, cette espérance et cet amour, le Seigneur Jésus peut nous envoyer en disant « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » La communauté scientifique internationale a établi la réalité du génocide de 1915. Il reste maintenant tout un travail à accomplir dans le cœur et les esprits des Turcs et des Arméniens pour repérer un dialogue possible afin d'arriver un jour à une vraie réconciliation. Le jour où la grâce de Dieu interviendra pleinement dans ce domaine, nous serons surpris de voir comment Dieu peut transformer l'être humain au plus profond de lui-même. Cela prendra certainement du temps, mais j'aimerais proclamer tout haut avec vous aujourd'hui que nous croyons en ce Dieu qui est vivant, qui est bon, qui est compatissant et miséricordieux, en ce Dieu qui nous voit, qui nous écoute et qui nous tend ses bras d'amour, qui est capable de pardonner, de restaurer et de donner une nouvelle espérance. Espérer contre toute espérance, nous disait l'apôtre Paul. C'est ainsi que nous pouvons passer des ténèbres à la lumière. Dieu a établi des ponts par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Il nous rend capable également d'établir des ponts entre nous. Nous avons besoin de la lumière. La lumière, c'est vivre dans la vérité. La lumière, c'est vivre dans la justice. La lumière, c'est vivre dans la réconciliation. Vivre dans la vérité, c'est faire connaître ce qui s'est passé, sans le nier ou le minimiser. C'est aussi le reconnaître et l'avouer. Vivre dans la justice, c'est demander pardon pour ses fautes, et c'est aussi, dans la mesure du possible, réparer le mal qu'on a fait. Vivre dans la réconciliation, c'est aller de l'avant, c'est vivre ensemble, c'est se réjouir du bonheur et de la paix qui nous attendent. Le pardon, la réconciliation, ce n'est pas qu'une histoire entre Turcs et Arméniens, c'est notre histoire à chacun, dans le quotidien de notre vie, dans nos familles, dans nos quartiers, avec nos voisins, au travail, à l'école, à l'université. La réconciliation, c'est un acte courageux, parce qu'il y a un avant et un après. Je suis persuadé que ce jour viendra. C'est un message prophétique que nous voulons recevoir aujourd'hui. Dans le livre de la longue histoire des Turcs et des Arméniens, il y a une page triste, très triste. Mais un jour, on pourra tourner cette page. Il n'y aura pas besoin de l'arracher parce qu'elle fait partie de notre histoire commune. Mais nous aurons décidé ensemble, d'une manière volontaire, de marcher de l'avant, de construire des ponts de compréhension dans un respect mutuel et pourquoi pas un jour, dans un amour réciproque. Oui, par la grâce de Dieu, il nous est possible d'entrevoir ce jour où nous pleurerons ensemble et nos larmes seront alors des larmes de joie. La vie est en mouvement. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la vérité et de la justice. La réconciliation ne se fera pas au rabais. Lors de mon premier séjour en Turquie, il y a 35 ans, mon grand-père, qui avait vécu la traversée du désert en 1915, m'avait averti « Mon enfant, je t'en supplie, ne va pas en Turquie. Ce sont des sauvages, ils te feront du mal. » Je n'ai pas écouté mon grand-père à l'époque, je suis allé en Turquie. Ces dernières années, dans le cadre des contacts rapprochés avec des Turcs en Turquie,
j'ai eu l'occasion de loger chez des Turcs, ce qui était impensable pour moi en tous les cas il y a quelques années. Oui, aujourd'hui, je peux dire, j'ai des amis turcs. C'est dans cette voie que je me suis engagé. Je crois que tout est possible, même si certains sont sceptiques. Après 100 ans, un horizon nouveau se profile. Nous pouvons en devenir chacun les acteurs. La vie est plus forte que la mort. La résurrection triomphe de tout, du mal, de l'adversité, de la haine et finalement de la mort. En cette belle journée, nous sommes venus à Lausanne pour nous ressourcer. Nous avons compris que le Dieu créateur est le maître de l'univers. C'est en toute humilité, mais avec force, avec foi, avec conviction que nous confions au Dieu vivant, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est dans un esprit de prière que nous lui disons « À toi la gloire dans notre vie, dans nos églises, dans le monde entier. » Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. طيب سيد له أبو تهوي عليكون وتنطر الخون مريو ننهار أباو عليكون ونيتيل الخون رحماو ويوهب الخون شلومو وشينو وأويوثو بشم أبو وبرو وروحو قديشو حاذا له شريرو أمين. Պահպանիչ և հույս հավատացյալների Քրիստոս Աստված մեր, պահիր, պահպանիր և օրհնիր այստեղ հավաքված քո ժողովրդին, Սուրբ խաչիդ ներքո խաղաղության մեջ, փրկիր բոլոր երևելի և աներևույթ թշնամիներից, արժանի դարձու գոհությամբ հառավորելու քո Սուրբ անունը, Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Orhniale Astva, Christus, Mutter, Kirche,